Bien le bonjour, c'est config@33. Bienvenue sous l'environnement de Microsoft Windows Server 2012 R2. Je vais vous présenter comment déployer un favori à tous les membres d'une unité d'organisation via une GPO. Une fois sur votre serveur, ouvrez le gestionnaire de serveur, puis allez dans l'onglet Outils et choisissez Gestion de stratégie de groupe. Faites ensuite un clic droit sur l'unité d'organisation qui contient vos utilisateurs, puis choisissez Créer un objet GPO dans ce domaine et lier ici. Nommez ensuite votre GPO. Pour ma part, je l'ai appelé Raccourci. Faites un clic droit sur votre GPO, puis choisissez Modifier. Allez ensuite dans Configuration utilisateur, puis dans Préférences, puis dans Paramètres Windows et faites un clic droit sur Raccourci. Puis choisissez Nouveau, puis Raccourci. Une fois dans ce menu, laissez l'action par défaut mise à jour. Nommez ensuite le raccourci comme bon vous semble. Dans Type d'adresse, choisissez URL. Dans l'emplacement, choisissez Favoris de l'explorateur. Et dans l'URL cible, entrez l'URL auquel le raccourci doit vous permettre d'accéder. Une fois ces modifications terminées, confirmez par Appliquer, puis validez par OK. Vous pouvez ensuite fermer le gestionnaire de stratégie de groupe et le gestionnaire de serveur car nous n'avons plus besoin d'eux. Ouvrez ensuite une invite de commande en tant qu'administrateur afin d'entrer la commande gpupdate/force afin de forcer la mise à jour de la stratégie de groupe. Un message vous informera alors du bon succès de l'opération. Je vous invite par la suite à vérifier la bonne application et le bon déploiement du raccourci sur les utilisateurs de votre unité d'organisation. Pour ce faire, une fois sur le poste client, recherchez dans la zone de recherche Windows Favoris. Vous devrez normalement trouver le dossier favori par défaut de l'explorateur dans lequel votre raccourci sera présent. Et si vous ouvrez Internet Explorer et que vous vous rendez dans le menu des favoris, vous devrez y trouver également votre raccourci de déployer. Cette vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Pour encore plus de vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'était Config@33.